tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, vous l'avez vu dans le titre, on va tester des techniques de pliage. J'ai eu l'idée parce que ma mère, elle plie maintenant ses serviettes de salle de bain comme ça, et on a gagné énormément de place, et du coup ça m'a intriguée, et j'ai été regarder d'autres techniques, et je les ai pas encore essayées, mais j'ai envie de tester ça avec vous, comment on plie ses serviettes, comment on plie ses petites culottes, et aussi comment on plie des t-shirts. J'ai vu une technique pour plier des t-shirts en 3 secondes, vraiment, ça m'a impressionnée, j'ai hâte de tester tout ça, j'espère que ça va fonctionner. Allez, c'est parti. On va commencer avec un truc simple, on va commencer avec le pliage des culottes. Alors, on a une petite vidéo d'une petite madame. Donc elle plie les bords entre eux. Elle met un doigt, elle ferme, elle retourne, et elle le met dedans. Ok, on va tester ça. On plie, on plie. On plie, on retourne et on met dedans. Et ben franchement c'est pas mal, hein. J'ai pas pris les bonnes matières, du coup ben tout se barre, parce que vraiment ça c'est une culotte sans trace et ça c'est un string, mais la matière elle est un petit peu bizarre. Et du coup ouais, on valide quand même, hein. Franchement pour tout bien ranger nickel, c'est parfait. On passe maintenant à la deuxième astuce pour plier ses chemises. Moi je dois vous avouer que les chemises, quand tu les repasses après tu les mets sur un sein, t'as pas envie qu'elles aient des marques de pli et tout. Mais bon, peut-être pour partir en vacances, ça peut être très intéressant de savoir ça. Alors on va tester cette petite astuce. Super simple. Ok, on va tester. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Mais... déjà, on la met bien. C'est une chemise à mon père, elle est gigantesque. On plie devant. Ok, ça c'est facile. Ensuite, on retrousse la première manche. Et je pense qu'il faut bien faire attention sur les bords ici, de tout bien aligner, de tout bien en mettre correctement. Voilà, une fois qu'on a cette étape-là, je vais vous montrer comme ça. Une fois que le truc il est bien plié, on plie une fois jusqu'au centre, une deuxième fois, et on referme. J'adore. Mais cette astuce, elle est géniale. Vraiment, le truc, bon là je le mets dans tous les sens, mais le truc est super plat, vraiment. Je pense que ça limite à fond les plis que tu peux faire dans ta chemise. Enfin vraiment, si tu prends le temps, tu plies bien correctement. Pour partir en vacances, ça, c'est génial. Ouh, mais regardez qui voilà. Quelqu'un qui n'est pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis c'est parti pour l'astuce suivante. Alors ça, c'est la technique que j'avais le plus envie de tester au monde. C'est plier son t-shirt en 3 secondes. Mais vraiment, cette astuce, je la vois partout. J'ai déjà essayé une fois, je me rappelle. Mais j'y étais pas arrivée. Ici, j'espère qu'avec ce petit tuto... on va y arriver, vraiment, mais si ça marche, mais ce serait trop bien. Vous voyez, c'est super rapide, hein. Bon, il prend le t-shirt. Il trouve une ligne invisible. Franchement, il prend le coin. Waouh. En vrai, c'est un peu chaud quand même. Faut avoir le coup d'œil, quoi. On va tester. Il prend le bord là. Il prend plus ou moins là. Hop, hop. Oh, c'est génial, dit. Bon, j'ai pas encore la technique à fond parce que, regarde, tu vois que là c'est un peu plié. Ah non, c'est la manche. En vrai, si je le décortique, mon t-shirt est bien plié, hein. Il y a juste là, il y aurait eu un couac. Mais avec de l'entraînement, les gars, cette astuce est incroyable. Si je le fais plus vite, est-ce que c'est mieux? Hop, 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 hop. Oh, mais wesh!
Franchement, cette astuce, elle fonctionne. Il faut un petit coup de main, mais je pense que plier ton t-shirt normal, ça va tout aussi vite, quoi. Enfin, je sais pas. C'est mon avis, mais je trouve que c'est un petit peu la même chose, hein. Donc, voilà. Astuce suivante, on passe aux serviettes. The money. On passe aux deux dernières astuces qui est pour le pliage des serviettes. Donc, comme je vous ai dit, ma mère, elle plie ses serviettes en rond. Je vais vous montrer comment on fait. Et j'ai trouvé une autre astuce pour les serviettes un petit peu plus petites. Et on va tester ça maintenant. Elle plie en dessous, au-dessus. Mais tu vois qu'elle a la technique. Hein. Elle fait ça toute sa journée, j'ai l'impression. Elle retourne. Ouais, bon. Ok. En vrai, la fin, elle est classe. On va essayer un petit bord. Voilà. Hop. On plie. On plie. On replie jusque là. On replie entièrement. On retourne. Et on fait tout passer dedans. Et vraiment, je trouve que ça, c'est l'étape compliquée. Hein. Hop. Ah, une fois que ça passe, ça va nickel. Sympa. Alors franchement, c'est super mignon. C'est simple à faire, mais par contre, en gain de place, t'as pas de gain de place, quoi. Franchement, ça rend le truc un peu gros, épais. Et la forme est un peu bizarre à caser, je dirais. Mais vraiment, si t'as des invités ou quoi, t'as envie d'être un petit peu fancy et dire « regardez » ou apporter une touche de classe dans ta maison, eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée. On passe maintenant à l'astuce que ma mère fait pour nos propres serviettes. Et vraiment, ça fait vraiment, vraiment gagner de la place. Donc, je vous conseille de le faire si vous voulez gagner de la place dans vos armoires. Alors, première étape, elle plie. Voilà. Je vous montre pas très vite, mais bon, bref. Ensuite, on recroqueville. On tourne. On roule. Hop, hop, hop. Et on met dans l'essuie. Et voilà, on a notre petite serviette comme à l'hôtel. Très cute. Et voilà notre petite serviette. Et là, je peux vous dire que vous pouvez jouer avec, faire des maracas, vous pouvez même faire du rugby. Ça va tenir, hein. Ça, c'est une valeur sûre. Et ouais, c'est super cute. Alors, technique ultra validée. En même temps, je la connaissais déjà. Et voilà, j'espère que vous en aurez retiré des petits tips de cette vidéo. Et je pense que la prochaine fois, je vais tester, vous savez, cette planche que les gens ils fabriquent en carton là pour plier le linge, faire un DIY de planche à plier le linge soi-même. Voilà, je pense que on va prochainement partir sur ça, ça peut être très intéressant. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis ben les gars, suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas, venez dans ma communauté s'il vous plaît. Ok. Et puis ben nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.